Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition de votre émission. Mesdames et messieurs, vous le savez, nous allons parcourir le continent pour vous apporter un plus par rapport à notre culture, la culture africaine évidemment. Nous allons commencer avec l'auteur de la semaine, nous aurons la galerie, nous aurons les podiums, nous aurons les références en qualité et en personnalité du continent. Écrivain et réalisatrice algérienne, Assia Diba, de son vrai nom Fatima Zohra Himalaye Nedan, l'amour ou la fantasia soulève une interrogation: qui suis-je? Une œuvre qui peut être perçue comme une autobiographie, mais la quête qui s'illustre nous en fait douter. Des sujets s'opposent à chaque étape: homme, femme, modernité, tradition, identité, différence. Une quête qui part de la remontée de la mémoire et d'un questionnement du passé. Un cheminement qui démontre la nécessité de rétablir le lien avec les ancêtres. Dans cette œuvre d'Assia, deux modes de vie, deux visions et deux types d'aspirations se côtoient et s'affrontent. Un mouvement qui nous conduira dans le souvenir enchevêtré à la tentative de compréhension de la condition de l'autre, des femmes en particulier. D'origine algérienne, Assia a grandi auprès d'un père instituteur. Elle apprend le latin et le grec en Algérie et obtient son DES en histoire à Tunis. Femme de lettres, Diab a été élue en 2005 à l'Académie française. Elle met sur pied des œuvres cinématographiques grandement récompensées. Assia Diaba est un nom dont le continent africain ne peut s'empêcher d'être fier. Elle est ainsi recommandée comme exemple pour les autres femmes africaines du continent. Listen, gentlemen, right now, I'll call on you to follow me because we are going to a gallery, a special one. There you have the opportunity to discover, or you might know him already, he's no other than Pascal Martin Tayo. You might ask yourself, why the name? Is it a woman? Is it a man? No, it's just a man who has decided to be different from any other artist. He has been around the world. He has been to Belgium, especially, and has brought these things that you might want to know. Ladies and gentlemen, watch this element. It's the gallery of the week. Pour cette exposition, je vois que les poupées, par exemple, ont été choisies comme ma partition dans ce jeu. Bien évidemment, les poupées représentent en quelque sorte la frontière la plus excellente entre hier et aujourd'hui. Frontière sur le plan, on va dire, la création plastique, même esthétique. Parce que je représente quelque part ce que j'appelle un peu l'ombre du statuaire, entre guillemets, tribal, fondamentalement inspiré dans la tribalité, on va dire, sculpturale africaine. Les poupées, au départ, c'était un leurre. C'est-à-dire, c'est une balade, comme ça, à Venise, territoire du verre de Murano, dont avait toutes ces vitrines qui représentent des formes diverses et colorées. Et quelquefois, un soir, au loin comme ça, je vois une ombre comme ça, qui me fait penser à, on va dire, une sculpture ou bien une poupée africaine dans du verre de Murano. Je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Donc je me rapproche, c'est un vase banal. Voilà, à partir de ce moment, je décide donc de faire ce que je n'ai pas vu, ce qui m'a trompé. Le trompe-l'œil devient une réalité et donc je me lance dans le processus de la fabrication des poupées Pascal. C'était une étape dans ma production parce que je suis encore toujours, pour revenir un peu à cette idée de l'archivage de notre temps, je suis encore dans le processus de la fétichisation contemporain, de la vaudouisation contemporain, parce que moi, en tant que flamand, je pourrais être africain de service, voilà, parce que moi, fondamentalement, je ne pense pas définir l'Afrique dans ce que je fais. Mais peut-être dans ce que je fais, on peut retrouver des séquelles africaines, puisque j'y suis né, et je me suis nourri de la poussière africaine, pas parce que je voulais, naturellement, parce que c'est comme ça, j'y suis né là-bas. Après, maintenant, ça allait très vite en besoin que de croire que mes propositions soient... Parce qu'on fait une lecture par rapport aussi à une éducation que l'on a soi. C'est-à-dire celui qui lit, le lit,
avec ses, avec son éducation, ce qu'il a reçu comme élément d'observation, mais parfois qui n'a rien à voir avec moi. J'ai la chance de pouvoir exprimer, ma volonté d'effacer des lignes, hein, mon envie d'aller au-delà, et que c'est perceptible, c'est-à-dire on peut le voir. Mais il faut que j'essaie de partager ce regard que l'on porte à moi. C'est un atout, puisque je crois fondamentalement, on cultive des frustrations parce qu'on n'a pas la possibilité d'exprimer ses propres vérités, qu'elles soient justes ou fausses. J'essaie de me mettre en cause, j'essaie d'aller au-delà, de recréer de nouvelles bases qui deviennent des nouvelles frontières que je dois tout de suite détruire pour recréer des nouvelles, et ainsi de suite. Il faut que je trouve un antidote à la frontière que je crée. C'est-à-dire une frontière qui devient un produit ou bien un vaccin doit en même temps avoir un contre tout de suite dans le cadre de la création, dans l'esthétique que je mets en place, dans la plasticité que je mets en place. Mais ça doit se faire dans une ambiance bon enfant. C'est un jeu bien évidemment sérieux, mais ce n'est pas parce que je le fais et que ça se fait entendre ou suivre que tout à coup je suis devenu le centre du monde, non. Après Martine Taillou, je suppose que vous avez eu l'occasion de comprendre un peu sa façon de penser, comment ses expositions se déroulent à travers le monde et aussi ce qu'il attend de son continent. Maintenant, nous allons passer à la mode. Vous savez, la mode africaine est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui rend la femme africaine si belle, qui nous rend si élégant. Je veux dire les hommes, évidemment. Nous allons avoir la première partie de notre podium avec ce défilé. Il est glorieux. Je vous propose de le regarder et de me retrouver juste là. Je ne bouge pas, je vous rassure.
ce podium, qui sont ces personnalités qui font bouger le continent? C'est notre mission sur Africulture de vous les apporter. Donc, sans plus tarder, je vous propose de regarder ce personnage, ce mannequin, cette référence dans le cadre de la culture africaine. Mesdames et messieurs, ne bougez pas, je vous attends, je reste ici. Je m'appelle Tigida Sissoko, j'ai 25 ans, je suis d'origine malienne, de Paris. Je suis une jeune malienne qui est partie en France il y a 10 ans pour les études. J'ai eu un coup de cœur pour la mode, donc j'ai arrêté les études très tôt, j'ai commencé à travailler. J'ai fait Miss Mali France, après Miss Soninké. Et suite à ça, j'ai fait la connaissance d'Iman Aïssi, après Eli Kwam. Le premier photographe avec qui j'ai travaillé, c'était Alain Herman. J'ai fait Crayola avec lui, la couverture de Crayola et les calendriers de Crayola. Voilà, tout a commencé par là. J'ai pas choisi d'être mannequin, car j'ai toujours été garçon manqué. Donc moi, enfiler les talons, c'était juste impossible parce que j'ai toujours été en basket. J'ai toujours été un peu une racaille de la famille. Et pourquoi la mode? Parce que j'aime bien voyager. Pour moi, c'était un moyen facile pour moi de voyager. Donc au début, c'était vraiment pour m'amuser. Et après, j'ai pris ça au sérieux quand je suis rentrée en agence en 2005. Bah, en France, il n'y a pas vraiment de mannequins noirs. On n'a pas beaucoup de marché. Parce que d'après eux, les noirs n'achètent pas. On n'est pas les clients. Donc moi, mes trucs, je ne peux pas dire que j'ai vraiment eu de problèmes. Parce que j'ai toujours eu la chance. En général, quand je travaille avec les gens, ils me rappellent tout de suite après. Donc j'étais en agence. Dans mon agence, on était deux blacks, pas plus. Et toutes les deux, on a toujours travaillé. Voilà. Mais je sais que c'est vraiment pas facile. Si tu fais pas ce qu'on te dit, tu n'iras pas loin. Voilà. Mes premiers défilés, c'était en 2005 avec Iman Aïssi. J'étais très stressée parce qu'il y avait Katusha. Et au début, je ne savais pas qu'elle devait être là. Il y avait aussi Paco Rabanne. Ça, c'était mes premiers défilés, c'est en 2005. J'y fais pas beaucoup parce qu'il faut faire du 32. Malheureusement, j'ai fait un 36 que j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de perdre un gramme, donc je fais plus de prêt-à-porter que la haute couture. Ce que j'aime de plus dans ce métier, c'est changer des vêtements, c'est faire doreter, coiffer, maquiller, surtout voyager. J'adore voyager, découvrir. Voilà, ça c'est mon kiff. Le plus dur, c'est entre les filles, la jalousie, voilà, ça c'est vraiment pas facile, ce qui est dommage. Parce que je pense, pour le peu de black qui est dans ce milieu-là, normalement on doit se serrer, voilà, mais c'est le contraire, soit tu es seul ou tu te casses la gueule, malheureusement. Mon idole c'est Katusha Nyang et Iman Bowie. Je pense que c'est des femmes fortes par leur histoire, leur passé. Je me vois un peu là-dedans en fait. Je ne veux pas dire que j'ai vécu la même chose, mais à peu près la même chose. Mais je sais que je ne peux pas porter leurs chaussures et refaire le même parcours, ça c'est sûr. Mais j'ai à peu près la même histoire. Ma chanteuse préférée, c'est Mariah Carey. Voilà.
Et musique préférée, bah, c'est rhythm and blues, jazz. La musique africaine, je ne suis pas trop fan, à part Selfie Keita. On trouve un peu de tout dans l'Afrique. Il y a du poisson, en même temps, il y a du riz. Je ne sais pas, je pense que c'est un vrai plat africain. Il y a le mafé aussi qui est pas mal, mais c'est un peu plus lourd que le tchèb. Pour moi, la mode africaine se trouve à Dakar pour le moment. Voilà. Pourquoi les gens ils ont une mauvaise idée des mannequins? Je pense que c'est à cause des filles même. Parce que soit on est mannequin ou on n'est pas. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se disent mannequins alors que c'est des call girls. Mes idées pour le futur, c'est d'ouvrir une agence de mannequins au Mali. Même si ça ne va pas être facile, les une semaine que j'ai passé avec les mannequins d'ici, je sais qu'elles sont vraiment à côté de la plaque. Les coacher de A à Z et d'essayer de les faire bosser. Les conseils que je donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans ce milieu-là, c'est d'être courageux et surtout d'essayer de choisir ses fréquentations. C'est pas parce qu'en devenant ami avec n'importe qui, en faisant n'importe quoi, qu'on va réussir à percer là-dedans. Voilà. Elle était belle, je pense. Elle est classe aussi. Je vois que vous avez compris que la référence et la qualité, c'est quelque chose qui nous colle à la peau, nous les Africains, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger tout droit dans la musique. Et la musique pour cette semaine, pour entrer dans le monde musical, je vais vous proposer cette pensée musicale qui nous vient de Manu Dibango. Et Manu Dibango qui dit que toute odeur nouvelle qui vient dans la musique vient du continent africain. Et oui, toute odeur nouvelle et musicale provient du continent africain. C'est ce que Manu Dibango nous demande de comprendre. Et je pense qu'il a raison. Et pour ce, je vous propose de plonger directement dans la découverte de l'artiste de la semaine. L'Ouganda peut être fier d'Irine Namubiru. Et oui, cette superstar nous fait comprendre que notre culture peut nous porter très haut. Elle impose son style et nous fait ressentir du bonheur au son de sa voix. Pour certains, on le dit, la langue peut être un obstacle, mais au contact de cette diva africaine, toutes les frontières sont brisées. Entrée très jeune dans l'univers musical, Irine, de choriste à artiste, ne tardera pas. Un sourire et l'on est envoûté. Son pays, l'Ouganda, voit en elle l'espoir d'un pas de plus dans le monde musical africain. À votre avis, qui pourrait en douter? Kabichi, fais-moi galanti. Kabichi, oh, anke, fais-moi galamongue, diewe, mirembe, tapukani. Mundo como acá la mongería huele de me tapucani. Si chaga la buena masanze, galine van a nyumirua, mubuze que mirembe. Kaliwa denze mubita, nayari naye mikwano, asana yo spesi. Simulunda, simutaiza, sibwe manya kazanyo, era olibwambuza, lwachi mufanto, muda munti, katika bichi mwecho, bichi, owangewe mwagala munge yewe mirembe. Kabichi mama, kabichi, oh, 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 mwagala mungeri ewe mirembe, tapukani. Privacy yenju wechitiwa, simulingiriza, muwakabanga. Kale wadolu mumbuza, unayebwa sirika. Sikaka ansa, esimu veimba, simu soya soya, ah, zesiri loya, hera.
mwejo Muda mundi katika richi mwejo Karichi Karichi Wangewe mwaka la mungeriewe oh. Mirembe Tapukami katika richi mwejo Karichi Mundo kwa mwaka la mungeriewe Mirembe C'est fait. Vous avez découvert l'artiste. Elle était belle. Elle avait tout de notre continent. Qui ne pourrait pas être fier d'être africain? Moi, je le suis en tout cas. J'espère que vous aussi, vous l'êtes. Maintenant, plongeons dans la bande annonce. Ça, c'est quelqu'un. Baratou, nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir dire au revoir à Sachi. Tu vois, c'est ici que la mort est venue te chercher. Écoute, Sachi, fais ce que tu as à faire. Tu as le temps de marcher tranquillement jusque-là. J'espère faire. Qui a déjà fini quelque chose? Mais personne. Il y a des gens ici à qui il reste moins de temps que toi, mais ils ne le savent pas. Oui, avant de mettre la clé sous le paillasson, c'est très simple. On va avoir une pensée qui nous vient du Mali et qui nous dit si jamais vous vous sentez lésé, si jamais vous avez l'impression que le monde ne vous appartient pas, vous avez l'impression que les choses vous abandonnent, ne vous lamentez pas. Oui, c'est ce que nous dit le proverbe malien. Il demande juste de rester calme parce que vous ne savez pas ce qu'il vous arrivera dans le futur. Puisque vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans le futur, ne vous lamentez pas sur ce qui est en train de vous arriver, parce que les choses évoluent. Et oui, Afrique Culture est arrivée à son terme. Ladies and gentlemen, it was quite a great pleasure, and you know it, to share with you what we have in our continent. You know, Africa is a beautiful place to be, and we hope that you are going to save what is in Africa. You are going to make it a movement we are all going to join as one. Ladies and gentlemen, I was your host, and I hope that for the next edition, you will still be there. Bye-bye.